On demande des réponses, mais on sent passer tous les docteurs. Ils nous disent, vous êtes là, pour, vous attendez simplement, c'est tout. Mais il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Nous savons tous qu'il n'y a pas de docteur. Un fonctionnement quelque peu perturbé, en cause le départ du chef du service d'oncologie médicale. Aujourd'hui, le docteur Nunuk doit assumer seul les consultations du docteur Billemont. Docteur Billemont a assumé une grosse partie des consultations et moi j'assumais le reste. Docteur Hamdani assurait aussi beaucoup de consultations. Donc là, docteur Billemont n'est pas là, docteur Hamdani n'est pas là pour le moment. C'est moi qui fais tout le boulot. Et c'est un peu difficile d'assumer le boulot de 3 oncologues médicaux. Conséquence, un petit retard de prise en charge des nouveaux malades, qu'ils viennent de l'hôpital ou du privé. Chaque jour, une trentaine de patients reçoivent un traitement dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Le départ du docteur Billemont est pallié provisoirement par l'arrivée d'une jeune remplaçante en attendant l'embauche d'un leader. Il faut animer des chirurgiens, des médecins dans des disciplines différentes, la pneumologie, la chirurgie viscérale, l'urologie, la gynécologie, pour ne citer que celle-là. Donc il y a tout un travail d'interface et de travail et aussi très important, le travail avec les équipes infirmières, parce que c'est pas uniquement un travail médical, c'est aussi un gros travail d'accompagnement et de soins infirmiers. Le service est par ailleurs appelé à évoluer, avec en perspective une offre de chimiothérapie décentralisée dans les hôpitaux périphériques. L'idée est d'avoir un relais médical, pas forcément spécialisé, mais quelqu'un qui comprenne un petit peu le principe, et ensuite de former les équipes sur place, soit en les faisant venir dans le centre lourd ici à l'hôpital, soit en déplaçant des oncologues médicaux vers les centres de périphérie. On forme les gens et ensuite les locaux sont adaptés. On l'a déjà fait en 2007 sur l'hôpital d'Orietta, ça s'était très bien passé. Juste une question de temps pour ce projet qui pourrait se concrétiser dans les 6 mois, parallèlement à l'arrivée du nouvel oncologue.